Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé un atelier de validation du dictatériel d'auto-formation des agents du primaire. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle de réunion de la Maison de la Femme. C'est le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la formation civique qui a présidé la cérémonie, Apolline Gagné. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. J'invite tous les acteurs pédagogiques à s'en approprier et de les mettre quotidiennement en pratique afin d'accroître les acquis des apprenants. Les questions de compétences et de formation académique ainsi que la motivation professionnelle constituent des facteurs importants et incontournables pour l'efficacité pédagogique des enseignants. Un souci qui a conduit le ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique en collaboration avec l'UNESCO à valider officiellement la technique didacticielle d'auto-formation des enseignants du primaire. Cette étude est axée sur l'évaluation des résultats qui a permis d'ajuster et d'améliorer le produit en vue d'un passage à l'échelle nationale. La disponibilité de ces outils didacticiels développés dans une approche participative ouvre la voie pour l'accélération d'une formation de qualité. Le coordonnateur de l'antenne UNESCO de N'Djamena se réjouit de la collaboration qui a permis de disposer d'outils didacticiels d'auto-formation des anciens. L'UNESCO confirme par point voie ici la chaîne d'encadrement pédagogique pour l'amélioration de la qualité de l'éducation mondiale. L'UNESCO, à travers ma modeste personne, exprime encore une fois sa satisfaction pour la qualité de la coopération avec le gouvernement. La secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la formation civique a relevé que le souci principal est d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire au Tchad à travers le renforcement des capacités pédagogiques des maîtres en stratégie d'enseignement efficace pour une meilleure intervention dans les classes. Les modules de ce didacticiel embrassent divers aspects visant l'amélioration de gestion et de pratique de classe. Sa validation répond aux soucis permanents de ce chef de l'État, Debi Itno, qui a donné des instructions fermes au gouvernement d'investir dans les enseignants en vue de relever les défis de la qualité auxquels fait face l'école tchadienne. Ces référentiels sont accompagnés du didacticiel d'auto-formation des enseignants en cours d'emploi axé sur la démarche de l'enseignement qui constitue une méthode opérationnelle de l'approche par les compétences.